Voiture tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine MK1. Vous venez de me voir avec mon chum Sam travailler un peu sur le MK6. Fait que ça, c'est le MK6 Golf 3.6. Fait que, il a été swappé par mon chum Gabero Sport. Super bel job. Fait que le char, il est vraiment débile. Il était repeinturé au complet. Il y a un white body sur le char. Suspension à l'air, des rotiformes, des gros brakes, 18Z. L'intérieur est carreau. Un CAE, volant carbone. Fait que le char est assez débile, il y a beaucoup de pièces dessus. Le char avait un bumper de GTI en avant, celui qui est là, avec comme un kit Fog Delete, puis une lip, je sais pas quelle marque, là, une genre de petite lip qui se met en dessous, là, vous la voyez là. Fait que vous pouvez voir, mettons le Fog Delete, là, la forme des grilles sont comme ça, puis t'as les grilles Honeycomb du GTI en avant. La grille aussi avec les slats, le standard. Fait que là, mon ami Sam a ramassé un bumper de Golf R. Fait que lui, il va avoir toutes les ouvertures là, comme un Golf R. Ça, c'est la grille du centre. Fait que ça va être pas mal plus beau, le bumper de Golf R sur ce char-là que le bumper de GTI. Avec toutes les slats dans le même sens, là, sans les honeycombs, ça va faire mieux. Aussi, un gros problème que ce char-là avait, c'est que le bumper a jamais clippé dans les braquettes. Fait que le bumper a toujours été comme sorti. Je vais essayer de trouver une photo puis de la mettre là. Mais ouais, fait que ça a jamais fité comme du monde. Puis en démontant, on a trouvé comme un peu pourquoi. Ben tu sais, de un, les clips ici sont quand même assez maganés. Puis tu sais, on voyait la partie là, là comme sur le primer. Là. Fait que c'est un peu poche. Mais la grosse affaire, c'est que dans le fond, les ailes, il y a un white body dessus, puis c'est des ailes en fibre. Fait que les braquettes, ici, là, dans le fond, c'est ces clips-là qui tiennent le bumper, OK? Puis il y a des guide pins dans cette braquette-là pour aligner avec l'aile. Fait que les guide pins étaient shavés parce qu'il n'y a pas de trou dans l'aile en fibre. Mais il n'était pas shavé assez. Fait que la braquette, elle montait pas assez haut. Fait que le bumper, il est supposé d'être en serre entre la braquette puis l'aile. Puis là, ben, il déclipait tout le temps parce que la braquette n'était pas assez haute avec l'aile. Fait que là, ça, c'est le premier problème qu'on avait. Le deuxième problème, c'est que c'était monté avec du mini hardware comme ça. Puis vous voyez la grosseur du trou comparé à la grosseur du hardware. Ça avait comme beaucoup de lousse, fait que ça permettait à la braquette de descendre avec le temps puis le bumper de déclipper. Fait que ce qu'on fait, ce que je fais présentement, c'est que je vais upgrader à du hardware comme ça, avec une Nylock. Fait que ça dévissera plus avec la vibration. Puis la bolt est beaucoup plus grosse, là, comme vous pouvez voir. Puis elle, elle rentre tight dans le trou. Fait que je la rentre en backside comme ça, avec un washer. Puis là, c'est bien, bien tight dans le trou, fait que ça bougera plus. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait elle. Celle du centre, je vais la laisser telle qu'elle. Puis l'autre bord est déjà faite aussi. Fait que vous pouvez voir comme ça, fait que ça va être beaucoup plus solide. Je vais faire ça, puis je vais retester le bumper. Dans le timelapse, j'en ai coupé un bon bout, là, mais on a passé comme 3 heures hier à essayer de fitter ça. Ça, dans le fond, c'est pas un bumper original, c'est un bumper comme le kit SES Tuning, le kit de bumper de Golf R pour un Golf standard. Puis, ben, ça fit pas dans le foam, fait qu'il a fallu comme grinder un peu le bas du foam, là. Puis, ouais, il faut faire un petit 45 pour clairer cette partie-là. Où est-ce que la grille, elle va se clipper. Il a fallu, comme grinder aussi les coins, là, dans le rebord. Comme vous pouvez voir, parce que ça accotait dans le coin de la grille, ici. Sinon, le bumper, il est vraiment comme... Il est comme plus mince, plus mou que le bumper d'origine. Puis, ça se travaille vraiment mal. Au niveau de la finition aussi, il est pas super, là, tu sais, vous voyez, il y a bien comme des bouts de plastique, là, qui sont pas finis, là. C'est pas mal d'explications pour commencer la vidéo, mais je voulais vous mettre à jour sur le projet. Fait que je vais, là, je suis rendu à visser ma dernière vis, que je vous ai montré sa braquette, puis retest-fitter le bumper pour la 52e fois. Fait que je vais vous montrer ça.
J'ai enlevé le bumper dessus le char, j'ai enlevé les grilles. La seule chose que j'ai laissée dessus, c'est la bavette en bas. Parce que la bavette, elle donne quand même une bonne structure, puis ça change un peu la shape du bumper en dessous. Fait qu'elle, je vais la laisser dessus pour le travailler, mais que je sois rendu à peinturer, je vais l'enlever. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai shavé les headlight washers. Fait que dans le fond, là, je serais rendu à mettre une couche de poté. Fait que ce que vous m'avez vu faire, c'est j'ai sablé l'arrière puis l'intérieur de la pochette avec un papier 40, là, quelque chose d'assez rough, là. J'ai mis de la colle à plastique, puis j'ai collé ça là. Puis j'ai bloqué l'extérieur puis la face du haut pour que ça soit smooth. Fait que là, dans le fond, je vais mettre une couche de poté là-dessus pour enlever ces gros coups de papier sablé là. Puis on va y mettre une couche de High Build Primer 2K par-dessus ça pour smoother ça. Fait que c'est ça la technique. En bas 2, dans le fond, peu importe que ça soit pour coller quelque chose, que ce soit pour appliquer du primer, appliquer de la peinture, appliquer du poté, si la surface est smooth, ça collera pas. Fait que c'est aussi simple que ça. Faut que la surface ait des coups de papier sablé, des dents pour adhérer comme faut. Peu importe si c'est de la colle, du poté, du primer. S'il n'y a pas de coup de papier sablé, qu'il n'y a pas de dents à l'intérieur, ça collera pas, ça tiendra pas. Puis tu te laisses une épaisseur pour ton poteau et ta finition. Parce que si ton joint de colle ou ton une pièce de plastique qui ressort de par-dessus ton poteau, ça va ressortir, c'est garanti. Fait que là, on a de la place, tout est beau, tout semble bien, ça bouge pas de là. Fait que je fais la finition là-dessus, puis je vous montre ça. Terminé de préparer ça. Dans le fond, j'ai passé un orbital avec un 320. C'est deux patchs que j'ai fait. Ça ressemble à ça. Ça, puis ça. Fait que ça l'adoucit quand même pas mal là, les coups de papier sablé qu'on avait ici. Puis j'ai passé un scotch bright à grandeur. Le devant du bumper, il y a quelques graphiques dedans. Fait que dans le fond, lui, je l'ai sablé un peu plus. Là, 320 avec l'orbital. Puis je vais y mettre une couche de primer là, au complet. Dans le fond, le primer High Build, c'est surtout pour remplir les coups de papier sablé, les graphines qu'on avait sur le bumper dans le plastique. Fait que je me suis installé dehors, il fait beau. Je vais y mettre un peu de promoteur d'adhésion dessus. Je vais shooter ça, je vais primer ça, puis je vous montre ça. J'ai mis deux couches de primer gris et une couche de primer noir. Dans le fond, le primer noir, là, je vais m'en servir un peu comme guide coat. Fait que le but, c'était de faire une mini couche comme ça à grandeur. C'est vraiment juste pour avoir pas besoin de mettre du guide coat. Puis le même resté dans le gun, fait que l'immo complet. C'est le même stuff là, que le primer gris, fait qu'il devrait pas avoir de problème. C'est pas mal ça qui conclut la partie 1. Dans la partie 2, on peinture, comme vous pouvez voir. C'est déjà fait. Je vous en montre pas plus que ça. Vous allez devoir regarder la partie 2 si vous voulez voir le résultat final. Fait que merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like si vous avez aimé ça. Puis on se voit pour la partie 2.